Dimanche 30 mars 2014, dans son QG de la rue de la Lune à Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet vit les derniers instants d'une campagne électorale de 10 mois. Entourée de son équipe, de son frère aussi, elle affiche un air détendu. De toute façon, les dés sont jetés. Attendre est la seule chose à faire. À quoi pense NKM lorsqu'à 20h, les premiers applaudissements saluent les villes remportées par la droite? Non, attends, là, c'est le commentaire avec... Y croit-elle encore? On ne le saura pas. L'instant crucial approchant, elle s'enferme dans son bureau. C'est derrière cette porte qu'elle l'apprendra. L'affaire est pliée. La maire de Paris sera Anne Hidalgo. Chez la candidate socialiste, évidemment, l'ambiance n'est pas la même. La tension s'envole, les nerfs lâchent. Anne Hidalgo cherche des bras, ceux de ses alliés, de ses amis. Ceux de son mari aussi. Le souffle est court et le rimmel coule. Sa sœur Maria est venue spécialement des États-Unis où elle vit. C'est encore plus assassin. Je suis tellement fière de ma sœur, tellement fière. Honnêtement, j'aurais jamais au début pensé que ma petite sœur allait arriver à ce niveau-là. Et vos parents? Des parents. Qu'est-ce qu'ils ont dit, vos parents? Mes parents sont... probablement, ils sont en train de pleurer. Enfin, mon père, en tout cas, pour sûr. Non, ils étaient extrêmement contents. C'était vraiment... l'accomplissement d'une vie entière, tu vois. Tu es arrivé en France avec tes petites filles et tout. Puis, tu vois ta fille qui est maire de Paris. Enfin, t'imagines, c'est le plus beau cadeau. Hein. Attends, voilà, me fais pas pleurer. 56-44. Le 14e arrondissement clé reste à gauche. C'était là que se présentait NKM. Allez, coca pour tout le monde. Une élection, c'est une bataille politique, mais c'est aussi une aventure humaine. Les candidates ne sont pas seulement les actrices principales d'un duel pour la première ville de France. Elles sont deux femmes, avec des vies, des histoires, des styles radicalement différents. À 6 mois du scrutin, cela sautait déjà aux yeux. Le sourire numéro 1. Allez. Le sourire numéro 2 maintenant. Non. Je suis sûre que vous avez plein de sourires en banque. Derrière les sourires d'Anne Hidalgo, il y a une volonté de faire, forgée à la dure. Vous êtes très fière. Plus fière. Oui, il faut être plus fière. La chance que j'ai eue, c'est de ne pas avoir... tout cuit dans le bec quand je suis arrivée en politique. Hein. Dans les propos qui étaient dits sur moi, c'était souvent ça qui revenait. Est-ce qu'elle a le cuir assez solide? Est-ce qu'elle a les épaules pour? Est-ce qu'elle est capable d'encaisser? Et là, c'est lui qui me touche les fesses, ça va pas du tout, mon gris-gris. On dirait une bande de copains. Mais cette bande a une vraie chef qui prépare cette campagne depuis longtemps. Dans les moindres détails. Juste en avant, ouais. C'est important à chaque fois. Oui, ça va, c'est bien. À peu près au même moment, NKM inaugure sa permanence du 14e arrondissement, avec fougue et en vitrine. Moi, j'ai le sentiment que les Parisiennes et les Parisiens, ils ont envie que ça bouge. On a une responsabilité terrible. En politique, personne ne vous attend jamais, par définition. Donc, si vous attendez que ça vienne, déjà, ça n'arrivera jamais. Il faut avoir le goût des autres. Et comme je vous ai dit, la campagne, elle se passe sur le terrain. Donc c'est tous ensemble qu'on la porte. Je
Voilà, je compte sur vous. Je vous fais confiance. Si vous n'avez pas envie de voir les gens, de discuter avec eux, de travailler avec eux, c'est juste pas un job pour vous, quoi. C'est avec vous, tous ensemble, en nous démultipliant tous autour de nous, qu'on va gagner et qu'on va faire bouger les choses. Pugnace et sans complexe, déjà trois fois ministre à 40 ans, NKM n'a pas le temps de se demander s'il est bien raisonnable d'haranguer les foules depuis un ancien salon de beauté, coincé entre un coiffeur et un salon de massage. Elle fonce. Deux femmes, deux styles donc, et une bataille qui commence vraiment en octobre 2013. NKM est alors officiellement candidate depuis 4 mois seulement, alors que sa concurrente l'est déjà depuis plus d'un an. Comme Anne Hidalgo va présenter ses têtes de liste pour chaque arrondissement, NKM décide de présenter elle aussi une équipe, même provisoire, pour délivrer le même message. Nous sommes prêts. J'ai décidé de vous présenter nos chefs de file par arrondissement. Vous le voyez, nous sommes prêts. Nous avons pris le temps qu'il nous fallait. Nous sommes prêts. Pourquoi attendre ? J'ai plutôt le sentiment qu'on donne le tempo. Ça ne me déplaît pas. Donc, dans le premier arrondissement, Jean-François Le Garret. Toutes les deux revendiquent des équipes renouvelées, plus jeunes et féminisées. Dans le 9e, Delphine Burkli. Annick repart au combat dans le 17e arrondissement. Moi, je tiens tellement à la parité qu'on a fait 10 hommes, 10 femmes. 11 femmes, 9 hommes. C'est une équipe dont la moyenne d'âge est de 47 ans. 47 ans. 46, pardon. Un mois. Le ton est donné. Maintenant, il faut aller chercher des voix. NKM veut occuper le terrain, physiquement. On va les recoller, vous inquiétez pas. Athanase Périfan, l'inventeur de la fête des voisins, est sa tête de liste dans le 20e arrondissement. Mais aujourd'hui, il vient donner un coup de main dans le 5e pour une opération NKM près de chez vous. Aujourd'hui, c'est un menu Brezel. Voilà, c'est alsacien. Ça dépend des quartiers ? Oui, ça dépend des quartiers. Les cacahuètes plutôt dans le 20e, à la Sorbonne et Brezel. Et dans le 16e, le champagne, bien sûr. On se répartit un petit peu et vraiment l'idée c'est qu'il y ait toujours en fait, de rameuter un petit peu les gens, voilà. De présenter. Voilà la patronne, elle arrive. Une à deux fois par semaine, NKM investit un lieu passant et s'adresse en une heure chrono au maximum de gens. Au plus près des Parisiens. Bonjour, c'est un plaisir de vous serrer la main. Merci à vous. Vous êtes du quartier ? J'habite ici depuis 68. Il n'y a rien pour les Parisiens qui habitent là. Et je suis rentré à la police en 68. Vous êtes passé de la pâtisserie à la police ? C'est curieux alors. Aujourd'hui, elle vient prêter main forte à sa candidate du 5e, dont les Tibéries contestent la légitimité. Bah écoutez, moi je propose un peu de renouveau dans le 5e. Et donc j'ai demandé à Florence Berthou de venir l'incarner. Et puis elle veut aussi montrer qu'elle connaît Paris. Ah écoutez, pour moi c'est un aller-retour. Vous savez que j'ai habité au bout de la rue pendant des années. Et après, au bout de la rue, là-bas. À Mureille, par là. Oui, c'est ça. Bah, j'étais sur ce marché il y a 15 jours. Enfin, moi, je me souviens de l'époque des bizutages. Ça se finissait dans la fontaine Saint-Michel. Dans un meeting, vous avez des gens convaincus qui viennent. Quand vous faites un atelier et que vous passez le micro, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole. Vous avez des gens qui ne prendront jamais le micro. Mais ils ont des choses à dire. Si vous ne créez pas des occasions de rencontre pour eux, ce message-là, il ne sera pas entendu. Fatigué, un petit coup de mou ? Ah non, là, c'est très énergisant. J'aimerais vous remercier déjà d'avoir... Un autre moyen de toucher aujourd'hui le plus de monde possible, c'est évidemment le net. L'équipe d'Anne Hidalgo lui a proposé de faire un hangout, une sorte de téléconférence avec des internautes, visible en direct par tout le monde. Ah, c'est bien ça. Sous l'œil du directeur de campagne, Jean-Louis Missika, expert en communication, la candidate expérimente pour la première fois le débat 2.0. Donc moi, ce dont je voudrais vous parler, c'est l'ouverture des magasins dimanche dans la zone du Marais. Jerry ? Ah, on a perdu Jerry. Ils sont tous endormis ? Ah. Alexis, je crois qu'on a un problème. Il n'y a plus Internet. Il n'y a plus Internet. Oh, zut ! Stop ! Non, mais je rêve. Moi, je crois à la technologie. Il fait trop chaud. Mais c'est pas mal hein, comme c'est système. Bien, c'est très bien. Ouais. C'est bien. Ouais, ne sortez pas de la boîte. Attends, restez dans la boîte. On expérimente. Hein. Vous inquiétez pas, ça va pas me dégoûter pour autant. On essuie les plâtres. Ouais. Ça va, vous prenez plutôt bien.
Bah, quand même, je vais pas m'énerver. Une petite pause, tu m'envoies un petit verre d'eau. Pourquoi je m'énerverais? C'est une idée à vous, une idée à vous. Non, non, c'est eux, là. C'est... Ah, ils sont là, bonjour. Bonjour. Ah, on vous a retrouvés. Ça va? Non, ils n'entendent pas. Coucou. Ah, super. Bien. Alors. Désolée. Jerry. Dans sa petite voiture électrique de campagne, Anne Hidalgo se rend à l'émission Le Grand Jury d'RTL. N'ayant pas encore été un personnage de premier plan au niveau national, elle y est invitée pour la première fois. Elle a passé son week-end à se préparer. J'ai passé des heures à relire toutes mes fiches, mes dossiers, tout. Moi, j'aime pas improviser. Hein. Et puis, ça fait naturel quand vous avez beaucoup travaillé. Regardez les danseurs et les danseuses, on a l'impression que c'est facile ce qu'ils font, mais c'est des... et que c'est naturel, alors qu'il n'y a rien de moins naturel que ce qu'ils font. Donc, j'ai toujours beaucoup bossé. Du coup, elle fera l'émission sans papier, en revanche, pas sans maquillage. Être coquette ne veut pas dire légère. Anne Hidalgo sait bien qu'en politique, l'image, c'est important. Normal, c'est... voilà, on s'adresse, il faut respecter les gens. Moi, j'ai une maman couturière qui me disait qu'il faut toujours être bien habillée pour soi, mais par respect pour les autres aussi. Voilà. Lorsqu'NKM se prépare pour une émission politique, elle aussi prend soin d'elle. Mais pas question de la filmer pendant qu'elle se prépare. Moi, j'ai pas pu vous filmer pendant que vous faisiez maquiller. Pourquoi? Parce que vous n'êtes qu'un homme. Et entrer dans un salon de maquillage... C'est comme entrer dans une salle de bain. Ah oui, mais sauf que ça vous vexe. Ça vous vexe? Non, mais je voulais savoir pourquoi. Mieux vaut ne pas insister. Et gare à ceux qui s'aviseraient de commenter sa coiffure. Ouais, je peux. Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne électorale. Pourquoi? Ouais, monsieur Tréhard, je n'ouvre pas de commentaire sur votre coiffure. Pas de commentaire là-dessus. Non, mais sur votre coiffure, moi, ça m'intéresse pas. Je trouve ça déplacé que vous preniez du temps de parole dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Vous êtes en train de manger mon temps d'expression sur mon projet. Je voudrais parler de mon projet pour Paris, monsieur Tréhard. Sur ce sujet, au moins, les deux femmes sont exactement sur la même longueur d'onde. L'univers médiatique, il met les femmes dans une représentation qui reste quand même très, très sexuée, quoi. Le nombre de fois où on me demande si je connais tous les joueurs de foot. Pourquoi on ne pose jamais ces questions-là aux hommes? Il y a encore du boulot, hein, pardon, mais je pense que les partis politiques ont progressé plus vite que le monde médiatique sur la représentation des femmes en politique. On ne s'étendra donc ni sur les coiffures, ni sur les tenues vestimentaires, d'autant que leur différence de style réside bien ailleurs. 30 secondes. Invitée ce soir, Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris, candidate socialiste à la mairie de Paris. Bonsoir et bienvenue. À RTL, le directeur de cabinet et le conseiller presse d'Anne Hidalgo regardent leur patronne. D'abord un chiffre. Paris, c'est 3% de la population française. Affalés, ils affichent une décontraction insolente, tandis que, point par point, elle répond aux questions sans anicroche. Avec une méthode, là aussi, qui n'est pas celle de mon adversaire. Bon. Contente? Ouais, ça va, je suis contente. Voilà, on continue. Voilà. Allez, bonne soirée. Step by step. Elle est très habile, c'est pas quelqu'un, j'allais dire, il n'y a rien qui dépasse. C'est très carré, il n'y a pas eu de faute de quart, mais à aucun moment, il n'y a pas beaucoup de fantaisie. Quoi. C'est sûr que ça contraste énormément d'ailleurs avec son adversaire. Ah, il aime bien NKM, les journalistes. Son ton énergique et affirmé. Et puis aussi les surprises, le buzz. Et surtout, et encore une fois, je l'assume complètement. Et surtout, c'est plus rock'n'roll. À l'image de sa conseillère presse qui suit l'émission en espérant que la candidate va garder son calme. En termes d'adaptation aux horaires, plus intéressante. Elles se sont bien préparées la veille et NKM est d'autant plus à l'aise que l'émission est longue. Mais le problème du direct, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un faux pas. Nocturne par semaine, c'est modifier les horaires de transport. Je ne sais pas à quelle heure s'arrêtent les bus à Marseille. À Paris, ils s'arrêtent à 21h. Oups! Eh bien si, à Paris, il y a des bus la nuit. La conseillère sait déjà que cette approximation n'échappera pas aux moqueurs et leur rappellera qu'NKM s'était déjà fait coller sur le prix du ticket de métro. Sans ça, on n'aurait peut-être jamais relevé cette petite interview à L.fr où NKM parle du métro comme d'un lieu de charme
où l'on peut faire de belles rencontres et avoir des moments de grâce, offrant aux plaisantins du net une matière très inspirante. NKM s'en moque. Elle revendique de dire ce qu'elle pense comme ça sort. Démonstration ce soir-là. Bonsoir. Clément Léon, représentant des fêtards et professionnels de la nuit, sollicite son avis sur le préfet de police de Paris. Deux caméras et un journaliste du JDD sont là, elle le sait, mais tant pis. Pour voir le préfet. Vous connaissez, vous ? Ouais, comme ça. Vous n'avez pas d'échange avec lui ? Je pense qu'il est fait pour être préfet de police, comme moi pour être non, mais... Le dimanche suivant, ce sera dans le journal. Le préfet, avec lequel NKM devra travailler étroitement si elle est élue maire, appréciera moyennement. La soirée se poursuit dans la boîte d'en face. À minuit passé, cocktail et techno à fond n'empêchent pas la candidate de parler politique. Vous n'êtes pas élu, vous faites quoi ? Je sais pas. Je pose jamais ce genre de questions. Je vais vous expliquer un truc. Si j'étais dans le calcul de risque, j'aurais pas fait ça. Bien sûr que non. Je pense que le vrai risque, moi, c'est de ne pas en prendre. Parce qu'on est dans une société dans laquelle tout le monde est en difficulté. Et celui qui refuse de se mettre en difficulté, en fait, il est rejeté. Et il y a des raisons à ça. À la sortie, le journaliste du JDD lui demande de préciser sa pensée sur les charmes du métro et les belles rencontres. Et les gens, ils viennent vous voir. Ouais. Alors, ça peut paraître un peu décalé par rapport à une réalité plus pénible du métro que les gens vivent. Je l'ai dit aussi, bien sûr qu'il y a une dimension pénible dans le métro. Mais je trouve que quand les gens vous reconnaissent, viennent vous voir et le métro devient d'une certaine manière un lieu de rencontre. Bon, on va les prendre justement parce qu'on va finir par rater le dernier là. Le métro tarde à arriver. Il est 1h10 et il n'y a pas un chat. Ouais. Hop là. Force est de constater qu'NKM a loupé le dernier. C'est finalement en taxi que nous allons fendre la nuit parisienne. D'une certaine manière, on a l'impression que la nuit, les gens disent plus facilement des choses vraies. Ah, peut-être parce qu'ils sont fatigués et qu'ils réfléchissent moins avant de parler. Mais dites-moi un truc vrai, alors. Là, moi, j'ai des trucs vrais aussi toute la journée. Moi, j'ai pas beaucoup de sur moi. Il paraît que c'est un problème. Qu'est-ce que vous voulez ? On est comme on s'en fait pas. Vous avez l'impression de dire trop de choses vraies, parfois ? Ouais, mais moi, depuis que je fais de la politique, on me le reproche. Il y a un peu trop facilement ce que je pense. Et vous regrettez jamais ? C'est très destructeur de passer son temps à essayer de maîtriser sa parole, de maîtriser ses mots, de la contraindre. Parce que c'est un appauvrissement. C'est un appauvrissement de soi-même, c'est un appauvrissement des relations avec les autres. Je préfère dire les choses comme je les sens, quitte à ce qu'elles soient occasionnellement détournées. Un soir, Anne Hidalgo s'échappe de la campagne pour aller voir La Marche. Un film sur la marche des beurs contre le racisme, initié par des jeunes des Minguettes à Lyon en 1983. À l'époque, Anne Hidalgo commençait à peine sa carrière d'inspectrice du travail. Elle aussi a grandi en cité HLM à Lyon. Elle n'avait que 2 ans quand ses parents, un électricien de la marine marchande et une couturière, sont arrivés de Cadix. La petite Espagnole ne deviendra officiellement française qu'à 14 ans. Ça va ? Très bien, et vous ? Ouais, c'était bien. Hein. C'est extraordinaire, c'est un des auteurs. Bonjour. Ah, vous êtes un des auteurs ? Ouais. Ah, super, bravo. Ouais, je voulais vraiment le voir. En plus, moi j'ai grandi à Lyon,
J'étais à la Duchère, et donc immigrée espagnole, et j'avais beaucoup d'amis de mes parents qui habitaient aux Minguettes, dont Louise Fernandez. Exactement. Et j'allais passer mes dimanches aux Minguettes, moi, voilà, avec les copains. Le film l'a ému. Bon, ben, bravo, merci. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. L'Andalouse confesse un caractère bien trempé et très sensible. Je suis émue souvent aux larmes par des grands moments collectifs. Là, souvent, je sens monter quand même une émotion et ça me bouleverse. Mais je suis quand même en contrôle parce que je suis une femme. Alors si en plus j'étais vraiment toujours émue, là, ça serait terrible. J'aurais pas franchi les étapes que j'ai franchies. Donc je pense que j'ai dû me forger quand même, non pas une carapace, parce que j'en ai pas, mais travailler une mise à distance quand même. Qu'est-ce qui vous met en colère ? Ah, le mensonge, ça me met hors de moi, vraiment, je supporte pas. Et puis j'aime voilà, tout ce qui a trait à l'exclusion des autres, tout ce qui... peut-être parce que je l'ai vu, hein, j'ai vu aussi des comportements de racisme quand j'étais petite. J'ai vu beaucoup de gens, comme on voit dans la marche, des gens qui m'ont aidée et qui ont aidé mes parents. Et puis, il y en avait aussi qui étaient particulièrement hostiles à toute différence, y compris provenant d'une immigration européenne comme la mienne. NKM, elle, est née à Paris. Elle a grandi dans une famille aisée en banlieue ouest. Elle dit avoir été un vrai garçon manqué. D'ailleurs, elle a fait son service militaire. C'était dans la marine. Pendant un an, elle a sillonné l'océan Indien sur ce navire. 200 hommes pour deux femmes. L'aspirante officier avait 19 ans et son surnom était Nakomo. Maintenant, ça a changé, mais à l'époque, on envoyait des polytechniciens, en plus juste après le concours, donc on était assez jeunes. Moi, j'avais 19 ans. Du coup, on était les plus jeunes du bateau, avec un grade d'officier, enfin d'aspirant. Et puis alors en plus sur un bateau il y a essentiellement des hommes, donc dans mon cas il y avait deux femmes. Faut reconnaître que c'est un peu bizarre. Mais moi j'ai gardé un bon souvenir de mon service militaire. Ce que vous apprenez au service militaire, c'est que il y a les galons, vous voyez, la hiérarchie, et puis il y a ce qui fonde le vrai respect. S'il se passe quelque chose, lequel on aurait envie de suivre. Et ça. Vous apprenez à le sentir très très vite. Un père ingénieur des ponts et chaussées, maire et conseiller général, un grand-père ambassadeur, un arrière-grand-père sénateur-maire, NKM a de qui tenir, mais elle n'aime pas trop qu'on lui parle d'atavisme. Vous voyez, quand on parle de mon arrière-grand-père, qui je crois était quelqu'un de très remarquable, mon arrière-grand-père est mort en 1942, et moi je suis née en 1973, donc je ne l'ai pas connu, si vous voulez. C'est pas quelque chose de très déterminant, c'est pas ça la réalité. Le fait d'avoir des origines bourgeoises, est-ce que ça vous handicape politiquement ? J'ai une partie de ma famille qui est d'origine émigrée, avec vraiment de l'ascension mérite républicain, ascenseur social par les concours, le travail, et puis la famille de ma mère est d'un milieu plus traditionnel, et moi je suis mélange de tout ça. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand on colle des étiquettes aux gens, parce qu'en fait, je pense que les étiquettes, elles sont une violence qui est faite aux personnes. On essaye de vous enfermer dans les boîtes. J'aime pas trop qu'on me le fasse. Et en général, en plus, on me le fait de manière qui passe assez loin à côté de la réalité. Tandis que devant la mairie, éboueurs et animateurs périscolaires réclament une augmentation, le Conseil de Paris se réunit comme chaque mois. La place d'Anne Hidalgo est au premier rang. Au nom de la parité, Bertrand Delanoë en a fait sa première adjointe dès son élection. Elle connaît cette maison et son fonctionnement par cœur. Elle en est la numéro 2 depuis 13 ans. Le fait d'être déjà dans les murs lui est reproché par sa rivale, qui la qualifie souvent d'héritière. Mais Anne Hidalgo aime rappeler qu'elle a dû se battre pour arriver là où elle est, y compris au sein de son propre parti. J'en ai quand même pris plein la figure pendant quelques années.
Et je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se battre à l'époque beaucoup contre, voilà, plutôt sa propre famille que l'extérieur. Et puis en 2004, un matin, je me suis dit non, non, ils ne mourront pas, je suis là et je compte bien faire des choses dans cet univers politique. Et quand on acquiert des compétences de cette façon-là, je peux vous dire que ça, voilà, ça vous donne de la force. Aujourd'hui, à peine 100 mètres de couloir séparent son bureau de celui qu'elle brigue. Entre les deux, il y a la salle du conseil et une belle histoire d'amitié avec Bertrand Delanoë. C'est en le remplaçant au pied levé après la tentative d'assassinat du maire en 2002 qu'Anne Hidalgo a gagné ses galons. J'ai piloté de l'hôpital et du lieu de convalescence, mais avec beaucoup d'autorité et beaucoup de délicatesse aussi. Elle a pris les choses en main sans se prendre pour le maire de Paris. Elle était là pour me suppléer pendant quelques semaines. J'ai vu que vraiment, elle avait une belle personnalité. J'ai toujours été à l'aise avec lui. J'ai beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. Il a fallu qu'elle apprenne à canaliser son énergie, à ne pas mettre immédiatement la totalité de son potentiel sur la table. Il a fallu parfois qu'elle prenne le sens du temps. Mais je crois que c'est quelque chose qu'elle a acquis. Et Bertrand est quelqu'un qui est dans cette transmission. Et en plus, c'est un ami. Et c'est cet ami qui a suggéré à Anne Hidalgo d'être candidate. Une fois par mois, il déjeune en tête-à-tête à l'hôtel de ville. Depuis un moment déjà, la numéro 2 est, au dire même de Bertrand Delanoë, une sorte de numéro 1 bis. Je ne prends jamais une décision importante à Paris depuis 2008 sans connaître la vie d'Anne. Et si c'est un peu délicat, les équilibres budgétaires et comment on va répartir les ressources, etc., là, je l'associe à la réflexion. Si elle n'apprécie pas le terme d'héritière qui tend à minimiser son mérite, Anne Hidalgo assume le bilan de Delanoë et ses années passées à la mairie de Paris. Elle considère que son expérience lui donne même une longueur d'avance. Si on n'avait rien fait ici avec Bertrand Delanoë, si j'avais pendant 12 ans occupé un espace mais rien produit, ça serait un inconvénient. Mais je crois que ce n'est pas le cas. Je connais Paris, je connais les dossiers. Donc ça, je pense être dans cette campagne, en tous les cas avoir des fondations beaucoup plus solides que mon adversaire, ça c'est clair. Vous avez déjà vu tout le cas ? Nathalie Kosciusko-Morizet a deux enfants de 8 et 4 ans, Paul-Élie et Louis-Abel. Voilà, trésor. Ferme bien le devant. Et tu mets le bonnet ce matin, parce qu'il fait très froid ce matin. La belle-mère d'NKM assure l'intendance et garde les enfants quand les parents ne sont pas là. Oui, mais c'est lundi matin. Lundi, ça suffit. Oui. De toute façon, on prend tout. Elle habite avec eux depuis 10 ans. Les enfants l'ont surnommée Gouga. Et maintenant, tout le monde l'appelle comme ça. Allez, on y va. À tout à l'heure. Entre femmes de caractère, NKM et sa belle-mère ont l'air de bien s'entendre. C'est ma belle-fille. En fait, maintenant, on est tellement proches que c'est ma fille, quoi. Je la ressens comme ça. Je veux que tout soit bien pour elle. J'étais institutrice et je n'ai pas trouvé tout le temps des élèves aussi doués que ça, pour dire la vérité. On a pris l'habitude de vivre à son rythme, les enfants sont habitués. Oui, il est 25. Ah, il est 25 déjà. Non, il est 8h20, mon chat. Viens, on peut y aller. Si maman est là, on est hyper contents, voilà. Si maman n'est pas là, ben on fait ça. Louis-Abel. On suit, tous. Ah, Louis-Abel. Ça, c'est une bonne mère. Dis donc, c'est rare une belle-mère qui dit du... Du bien de sa belle-fille. Oui, mais... Oui. Ah, quand même. Ah, il y a un petit défaut, quand même. Je voudrais jocher, oui. Ben, c'est-à-dire que quand elle est prise à fond pour quelque chose, elle le fait à fond, quoi. Même si on est là, tant pis, elle va ailleurs. Hein ? Ben, c'est ça. Elle travaille. C'est une travailleuse. C'est incroyable qu'elle peut travailler.
Alors, vous faites l'effort de les accompagner tous les matins comme ça? Ah ouais, presque tous les matins. Sauf quand il y a des... En fait, la seule fois où j'accompagne pas, c'est quand il y a des... Vous savez, parfois, il y a des télés ou des radios très tôt le matin. Il y a des émissions qui sont très tôt le matin. Et dans ce cas-là, c'est mon mari, mais sinon, c'est moi. Moi, j'aime bien. J'aime bien avoir des moments réservés, toujours récurrents, un peu comme des rituels. Vous voyez, moi, je suis pas là toute la journée. J'aime bien avoir des moments fixes où mes enfants savent que c'est moi qui suis là. Donc, il y a le matin et le bain le soir. Pareil. Les enfants d'NKM lui servent aussi de modèle pour la sculpture, car elle est un peu artiste à ses heures. Elle joue du violoncelle. Venez voir mes travaux d'été. Et elle peint. Et quand est-ce que vous trouvez le temps de faire ça? Mais c'est l'été. À l'été, c'est... Ah oui, c'est des peintures du mois d'août, les deux. Il y a des peintres du dimanche, moi je suis un peintre du mois d'août. Anne Hidalgo, elle, a 3 enfants. Elle aussi accompagne son fils cadet, Arthur, au collège tous les matins. Avec Jean-Marc, son mari, elle vient dès qu'elle peut encourager Arthur à son entraînement de natation. L'essentiel de ma vie, ce sont mes enfants. Donc je ne peux pas vivre sans savoir s'ils vont bien, ce qu'ils font, s'ils se plaisent dans ce qu'ils font. Et donc, j'ai besoin de venir le voir. Et puis, pour lui aussi, parce qu'il sait bien que je suis très occupée en ce moment. Mais par exemple, quand je lui ai dit ce matin que je m'étais arrangée pour pouvoir venir le voir ce soir, il était super heureux, quoi. Il était moins heureux que vous soyez là, mais, mais il était super heureux que je sois là. Arthur n'aime pas les caméras. Et Anne Hidalgo ne tient pas à l'exposer. D'être l'enfant d'une personnalité politique, c'est pas simple. Il faut qu'il ait une vie d'un petit garçon comme les autres, parce que c'est un petit garçon comme les autres. Et le fait d'être exposé médiatiquement, c'est mon choix. Faire de la politique, c'est pas le sien. Donc je veux le préserver. On ne s'échappe jamais vraiment d'une campagne. Son mari, député socialiste, le sait bien. Toute la famille vit au rythme de la candidate. J'ai fait le choix de lever un peu le pied sur mes activités et d'ajuster mon emploi du temps sur le sien et qu'elle puisse se sentir justement pleinement concentrée sur sa campagne parce qu'il n'y aura pas de problème à la maison, parce que je suis, parce que les devoirs sont faits, que le frigo est plein. Est-ce que ça a changé son caractère du coup? Non, ça n'a pas changé son caractère. Elle a toujours eu un caractère très affirmé. Et en ce sens, je la découvre encore plus étonnante que ce que je pouvais imaginer parce qu'elle est vraiment très, très forte et très prête à ça. Le mari de Nathalie Kosciusko-Morizet, un ancien socialiste, ne souhaite pas apparaître dans les médias. En revanche, aucun problème pour Paul Elie et Louis Abel. Pourquoi il y avait de l'encre? Si elle essaie de les protéger des tensions de sa vie politique, NKM n'est plus opposée à la médiatisation de ses enfants. Au début, j'étais vraiment à dire pas d'image, pas de photo. Et puis, je me suis rendu compte qu'au contraire, ils ne comprenaient pas que je me batte pour qu'il n'y ait pas d'image, en fait. Il ne comprenait pas que je me batte pour les cacher, d'une certaine manière. Il ne comprenait pas, il n'appréciait pas. Enfin, donc j'ai un peu changé de position là-dessus. Derrière elle, la télé évoque ses soucis avec une partie de la droite parisienne. Mais elle l'ignore, trop occupée à répondre à son fils, qui lui reproche de ne pas l'emmener assez voir de matchs de foot. C'est pas vrai. Pas que PSG Monaco. Et papa en a fait un seul. Et arrêtez, on joue pas avec les frites. Si être maman n'est pas de tout repos, les journées de candidate, elles, commencent parfois à 4 heures du matin. À 5 jours d'intervalle, les deux ont fait la même visite. Rungis, le ventre de Paris. La France qui se lève tôt. Un passage obligé. Moi, je suis venue déjà souvent. En fait, j'ai été inspectrice du travail dans ce secteur et j'avais aussi Rungis sur mon secteur, donc je connais très très bien Rungis. Voir les deux candidates dans le même exercice, ça vaut le coup de se lever tôt. Si les tenues hygiéniques obligatoires sont identiques, les styles sont très différents. Vous étiez déjà venu? Oh, je viens tous les ans. Mais je viens en loose day avec des potes maraîchers, en fait. Avant Noël.
toutes les deux connaissent déjà le parcours. De la marée aux fleurs, en passant par la boucherie, les légumes et les fromages, sans oublier le traditionnel découpage de la tête de veau. Alors on sent le métier, là. C'est rapide et précis dans le coup de... Non, je suis pas très, très tête de veau, moi. Ouais, je suis plus entrecôte. Oui, oui, bah. On voit des dents. Catherine ! Oui ? Sais-tu comment on reconnaît ce veau femelle ? Eh ben, la fesse, il paraît. Et ça a l'air sérieux. Veaux qui vont satisfaire des veaux fermiers. D'accord. Anne Hidalgo, pourtant naturellement souriante et chaleureuse, bonjour. Semble un peu plus distante qu'NKM. Bonjour, ça va ? Écoutez, je fais le foie gras. Et je le fais en mi-cuit à la terrine, au bain-marie. Il l'a dit même avant. C'est le seul truc que je sais faire. Ouais. Alors, il faut bien que j'impressionne ma belle-mère une fois par an avec mes talents cuisinés. Ça, c'est chouette. Hein. Non, non, mais c'est bon. Non, non, mais je... Merci. Homard de Bourgogne, elle est affinée au mar. La candidate de droite a un côté Chirac. Celle-là, elle est bonne. Hein. Goûtons à tout, solide ou liquide. Non, il est bon, il n'y a pas à dire, il est bon. Si cette gourmandise est un peu surjouée pour la campagne, NKM fait bien le boulot. Anne Hidalgo, elle, assume de ne pas faire le show, au risque de paraître trop prudente et moins drôle. Les politiques, on n'est pas des bouffons, quoi. Je ne suis pas là pour amuser. Je suis là pour être ce que je suis et puis être efficace. Les gens attendent de nous qu'on soit efficace, qu'on arrive à résoudre leurs problèmes en fonction de ce qu'on leur a dit. Donc, je dois à la fois convaincre, être sérieuse. Ça ne m'empêche pas d'aimer la vie, de rigoler, de m'éclater. J'aime bien faire la fête aussi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va voter pour moi. On va voter pour ma capacité à transformer Paris et à apporter des solutions. Le premier coup médiatique d'NKM, celui qui l'a révélé au grand public, c'était cette photo dans Paris Match, où elle pose enceinte sur un lit de feuilles. Comme à son habitude, elle la revendique et l'assume. J'essayais de faire parler de la Charte de l'environnement. Et Paris Match m'avait dit, oh ben, on veut bien vous faire une grande interview, mais on est en même temps en train de lancer une série avec des photos nouvelles, complètement décalées, avec un photographe un peu étrange, un peu gothique. Est-ce que vous acceptez de faire une photo ? Ah, j'ai dit oui. Bon, le problème, c'est que la photo a complètement éclipsé l'interview parce que la photo était tellement étrange que du coup, l'interview... Et l'objet, c'était quand même l'interview pour faire connaître la Charte de l'environnement. Bah, écoutez, ça arrive. On vous y reprendra plus, alors ? Ah ben, maintenant, j'en aurais plus besoin, si vous voulez, d'une certaine manière. Maintenant, si j'ai besoin, s'il y a quelque chose que je veux faire savoir et que je veux faire connaître, j'ai pas besoin d'accepter en quelque sorte une photo folle pour le faire connaître. Mêlant sa campagne aux enjeux nationaux, la candidate également députée s'apprête à défendre une proposition de loi sur l'ouverture des commerces la nuit. Pour sa visite de Rungis, elle s'est levée à 3 heures. Il est bientôt midi, mais aussi rapide que concentrée, elle prépare à la fois son discours à l'Assemblée et son alliance avec les centristes. Ah non, non, 15 heures, c'est pas possible. Moi, je suis disponible entre 13h et 14h30 à la buvette de l'Assemblée nationale, au Café Bourbon, n'importe où dans le coin, mais il faut que je sois là pour la proposition de loi. Ah non, 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 non. C'est quoi ? Son assistant parlementaire l'interrompt pour aller voter une autre loi. Ok. C'est dans combien de temps pour le scrutin public, là ? Quoi ? Il va falloir courir, c'est ça ? Eh ben, on est parti ! Moins deux, c'est trop long. Restez. Il faut la suivre, NKM. Elle est du genre pressée. Hey. Son ancien ministre de tutelle et patron de l'UDI, Jean-Louis Borloo, le sait bien. NKM a quasiment bouclé son accord avec l'UDI et le MoDem. Reste à rédiger un communiqué commun. Elle veut faire vite. Sa rivale a depuis longtemps annoncé son alliance avec les communistes et lorgne aussi vers le centre. Et à 15h, on prendra. Est-ce que tu es d'accord pour faire le communiqué maintenant ? Si on fait à 15h, on a moins de reprises dans la presse de demain, tu sais bien. NKM mène un train d'enfer et semble insensible à la fatigue. C'est à se demander quel est son secret. J'aime ce que je fais, je suis passionnée par ce que je fais. C'est ça mon secret, la patience, c'est un vrai ressort. Vous
droguez, vous dormez? Non. Ah, je dors, oui. Je dors facilement par morceau quand je peux. Il va falloir qu'on y aille, ça va être la reprise. La campagne, ça prend beaucoup d'énergie, mais ça donne beaucoup d'énergie. La parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet. J'aime vraiment ce que je fais. Je crois que c'est beaucoup une question de passion. On ne peut pas donner le meilleur de soi-même si on n'aime pas ce qu'on fait. La fermeture des commerces après 21h, en particulier dans les zones touristiques, serait à rebours de l'évolution de la société et de la nécessité de... Plus calmement, avec méthode, Anne Hidalgo avance ses pions l'un après l'autre. Ça fait un beau rassemblement parisien. Jean-François Martin, c'est l'homme du jour. Il est centriste, le seul élu MoDem du Conseil de Paris, et il vient de rejoindre son équipe. Un grand moment. Pendant que, fidèle à sa réputation, la droite parisienne se déchire... On a parlé de toi hier avec M. Tibéri. Anne Hidalgo, soutenue par l'ensemble de son parti, a réglé depuis longtemps la question des candidats socialistes et a tout le loisir d'élargir ses listes. Alors, j'appelle les... Pour montrer qu'elle peut rassembler au-delà des partis, elle présente à la presse ceux qui, de son équipe, ne sont pas encartés au PS, mais partagent ses valeurs. Je vous propose... D'abord, je suis vraiment très heureuse. Parce que là, autour de moi, il y a un beau rassemblement. La plupart de ces candidats dits d'ouverture sont en fait des alliés de longue date de la socialiste. C'est le fait d'avoir attiré quelques centristes, alliés traditionnels de la droite, dont elle se réjouit ouvertement. Et personnellement, je ne veux pas me passer de Jean-François Martin, c'est de ce qu'il représente. Et donc, ce chemin a conduit Jean-François Martins à prendre une décision qui était... C'est un joli coup qu'Anne Hidalgo ne manque pas de souligner en appuyant là où ça fait mal. Rassembler, ça a été mon credo depuis que je me suis engagée dans cette campagne. J'ai voulu rassembler les miens parce que c'est comme ça qu'on peut effectivement faire les preuves de ce qu'on est capable de porter ensemble, déjà en rassemblant sa famille. Si on a du mal à rassembler sa famille, c'est plus difficile de rassembler les autres. Donc, rassembler ma famille, ça a été un travail. J'y ai pris le temps. Je vous remercie. La réplique ne se fait pas attendre. Trois jours plus tard, NKM et Marielle de Sarnay, chef de file du MoDem à Paris, préparent l'annonce de leur front commun. Donc, premier jet pour jeudi prochain, puis après ça, c'est un... Voilà. Là, vous confondez avec la semaine prochaine de Paris. C'est ce mardi et ce mardi. Donc, il faut bien un premier jet là, demain, samedi soir, pour qu'on puisse travailler. Le texte de l'accord doit satisfaire les deux parties. Un exercice de style aux subtilités sémantiques de haute volée. Cette idée-là, elle est... il faut qu'on la rende visible et lisible, oui, sur un certain nombre d'équipements. Il faut qu'on fasse attention à ne pas mettre le feu au lac. Je crois qu'il faut prendre des sujets qui ne créent pas de troubles, oui, plus qu'ils ne rapportent de sécurisation. Face à la gauche, donnée gagnante dans les sondages, et face aux listes dissidentes à droite, le maître mot, c'est rassembler. Pour officialiser l'entente cordiale, la presse est donc conviée en masse au troquet du coin. Mais un peu dépassée par le nombre, NKM et Marielle de Sarnay devront improviser et présenter leur union sur le trottoir. Par ici. Si vous êtes de profil. Nous avons choisi de présenter des listes d'union dès le premier tour, des listes unies aux Parisiennes et aux Parisiens. Vous êtes d'accord? Jusque-là, ça va. Est-ce qu'elle est dure en affaires, Nathalie Kosciusko-Morizet? Bon, je pense que c'est une femme qui a du caractère, sûrement, qui existe, c'est bien. Ouais. Moi, j'aime bien les gens qui existent. J'aime bien les gens qui existent, j'aime bien les gens qui savent où ils vont. Et au fond, moi-même, je savais à peu près où il fallait qu'on aille. Les alliances se scellent, les listes s'étoffent ou se multiplient au gré des dissidences. NKM, la sprinteuse, et Hidalgo, la coureuse de fond, abordent la dernière ligne droite.
Ah, oh, c'est sympa les campagnes. C'est intense, c'est crevant, mais j'aime bien l'esprit de groupe. Voilà, j'adore ça, j'adore sentir ça, le fait qu'on est tous tendus vers un objectif, que tout le monde se serre les coudes. Et tout ça, je sais que c'est fait d'une façon super pro. J'aime bien quand c'est pro. Anne Hidalgo s'appuie sur une équipe solide et bien rodée. L'organisation de la présentation de son programme le montre bien. Si la candidate ne souffre pas l'amateurisme, c'est pour une raison politique. Je pense que si Anne avait commis le quart des erreurs, des maladresses de son adversaire, on ne lui aurait absolument pas pardonné. Parce qu'elle a eu cette étiquette dès le début de la campagne d'héritière où on laissait entendre qu'on lui apportait sur un plateau d'argent sa future élection comme maire de Paris. Et donc la moindre maladresse, la moindre faille serait utilisée contre elle en expliquant « Regardez, elle n'a pas du tout le niveau ». Ce qui peut expliquer qu'elle travaille énormément, que tout est très préparé, tout est minutieusement orchestré pour que il n'y ait pas de place à l'erreur. Bonjour, toi, Yves. En arrivant, Anne Hidalgo n'a plus qu'à se concentrer sur son discours et prendre sa ration de bises. Elle adore ça, les bises. Je vous demande peut-être de vous... Hein? J'attends le top départ, hein, mais... Ils sont sages. Ah, vous êtes hyper impressionnamment sages. C'est tellement rare. Bien. C'est le moment de présentation de notre programme. Ses conseillers savent qu'on lui reproche des discours trop longs, des phrases à tiroir et un ton pas assez incisif. Alors ils ont travaillé dessus avec elle. D'abord à construire des logements. Dans la salle, on les reconnaît à leur hochement de tête. En matière de transport, je m'engage pour... Elisa, sa conseillère, qui, texte en main, surveille qu'Anne Hidalgo ne s'en écarte pas trop. Jean-Louis Missica, le co-directeur de campagne. La santé et la solidarité. Bruno Julliard, le porte-parole. À ce que les familles puissent bien vivre à Paris. Oui, je veux provoquer ce choc et je m'engage. C'est une responsabilité très importante. C'est très bien. C'est bien. Très, très content. Très content. Elle nous a fait quelques petites surprises, comme chaque fois. Mais c'était très bien. C'était quoi les surprises ? C'est des rajouts, mais qui sont... C'est normal. C'est la patronne. Hein. Ce projet, ce programme, c'est le respect que je dois aux Parisiens et je vous remercie. Attention parce que Bertrand, c'est les cages d'escalier là-bas qui ont plus d'étages. Hein. Conquérir Paris, c'est aussi se faire élire à la tête d'un arrondissement. Et pour ça, il faut faire beaucoup de ce que les politiques appellent le terrain. Bertrand, il y a deux ascenseurs là-bas, t'avais raison, il faut une équipe de plus. D'accord, c'est bon, c'est parti. La spécialité d'NKM, qui fait ce soir du porte-à-porte dans un HLM du 14e arrondissement. Mais il faut deux groupes de deux dans chacune de ces cages-là. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Je suis Nathalie Kosciusko-Morizet, la candidate aux élections municipales. Pardon ? Je fais un peu de porte-à-porte dans votre immeuble. Ah, je suis désolée. Vous êtes en train de couper des oignons ? Vous avez des sujets de préoccupation particuliers ? Non. Le problème, c'est que là, l'accroche-porte... Et je suis à côté. Est-ce que je peux vous laisser un petit tract ? Je vous le glisse sous la porte ? Non. Ben non, mais je vous laisse sous le paillasson. Non. Si vous voulez lire un peu la documentation, ce sera quand même avec plaisir. Pas du tout. Bonne soirée, monsieur. Au bout d'une demi-heure, NKM reçoit un texto de sa conseillère presse. Elle doit relire d'urgence une interview à paraître le lendemain. Et j'arrive, je fais mon... Je fais ma lecture et j'arrive. Ok. Vas-y. Tout de suite. Alors... Elle s'enferme entre ses cheveux et se concentre sur ses corrections d'une telle force qu'elle ne se rend même pas compte que la lumière s'éteint. Jusqu'au bout de sa campagne, Nathalie Kosciusko-Morizet restera ainsi concentrée sur son objectif, assumant ses gaffes, ignorant les moqueries
les attaques de sa rivale comme celles de son propre camp. Je viens de vous l'envoyer. Ouais, vous relisez bien, vous faites relire. Ça marche, merci, au revoir. Mais ça ne suffira pas. Le soir du deuxième tour, après avoir félicité sa concurrente au téléphone, NKM quitte enfin son bureau pour reconnaître sa défaite et remercier ceux qui l'ont soutenue. Elle va tenir un discours déjà teinté d'une ambition à peine voilée pour d'autres conquêtes. Elle sait que cet échec n'en est pas tout à fait un. J'oublierai jamais ce que nous avons fait ensemble. Je me suis engagée dans ce combat en sachant qu'il était difficile. Je m'y suis consacrée de toutes mes forces et de toute mon énergie. Je mesure ce soir votre déception, mais je veux surtout vous dire, ne soyez pas triste. Un mouvement s'est créé, une espérance s'est levée. Ce mouvement, rien ne pourra l'arrêter. D'autres batailles s'annoncent, des batailles pour Paris, des batailles pour la France. Je veux vous le dire ce soir, du fond du cœur et de toute mon énergie, nous aurons d'autres combats ensemble. Vous aurez toujours des velléitaires, des donneurs de leçons, des défaitistes. Il y en a dans chaque bataille, il y en a dans toutes les grandes batailles. Moi, j'ai de la force pour ceux qui n'en ont pas. Hein. Je suis la première femme maire de Paris. Et j'ai conscience du défi que cela représente. Je serai la maire de cette ville qui ne triche jamais, ni avec ses colères, ni avec ses idéaux, ni avec son honneur. J'en mesure la responsabilité, je m'y engage de toutes mes forces. Merci à toutes et à tous. Vive Paris ! Forte de son expérience des campagnes parisiennes, Anne Hidalgo a gagné en suivant un plan préparé soigneusement et de longue date. En s'assurant aussi d'avancer groupée. Nous allons de nos pères pour que notre ville soit au rendez-vous de ce 21e siècle. Oui, nous allons mettre en avant la solidarité et l'innovation parce que ça va ensemble. Merci à toutes celles et ceux qui ont fait cette belle victoire pour Paris. Aux Parisiens qui leur a donné le goût de la vérité et de l'authenticité. Merci à lui. Sans lui, nous ne serions pas là. Merci Bertrand. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Par ici, s'il vous plaît. Allez, place à la fête pour ceux qui veulent faire durer le plaisir de cette belle nuit, cette belle nuit de printemps. Merci. À Lionel Jospin, venu la féliciter, Anne Hidalgo présente ses parents. Transi d'émotion, les yeux embués de fierté. La petite fille qu'ils ont emmenée 50 ans plus tôt chercher une vie meilleure en France en dirige maintenant la capitale.